Et c'est à vous. Jean-François, Michel Barnier donc est tenté d'augmenter les impôts. C'est pour Emmanuel Macron une ligne rouge. Il a toujours dit qu'il ne fallait pas augmenter les impôts. Je l'ai encore entendu au printemps dernier. Donc, est-ce qu'il commence à y avoir des tensions entre Michel Barnier et Emmanuel Macron? Franchement, vous dites ligne rouge, mieux encore. Il a été réélu avec cette promesse. Oui. Pas de hausse d'impôts pour ce deuxième quinquennat. Oui. Deuxième mandat. Ça fait 7 ans qu'il ne touche pas aux impôts. Les sociétés, elles, il les a soulagées. Elles sont déjà lourdement chargées grâce à la flat tax, vous savez, que la gauche aimerait bien supprimer. Emmanuel Macron en a fait vraiment l'alpha et l'oméga de son règne, qui aura duré au final 10 années. Donc c'est une boîte à fantasmes, Jean-Jacques, qui s'est ouverte avec cette histoire d'impôts. Michel Barnier, au passage, il fait de la politique en réalité. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il n'a pas la possibilité d'embaucher des ministres, attention le gouvernement, hein, oui, des ministres vraiment marqués à gauche ou de la gauche active, celle du Nouveau Fonds Populaire. Donc il veut envoyer des messages, puisque la gauche dit il faut taper les super riches. Donc Barnier, il fait de la politique. L'histoire de l'ISF, même les Républicains y sont favorables. C'est-à-dire l'ISF, si on rétablit l'ISF, ça va rapporter 4 milliards par an. C'est pas non plus les fameux 20 milliards à trouver de François Villebois de Gallo. Donc il fait de la politique. Ce ne sont que des on-dit, explique Matignon. Hein. Ce sont des on-dit. Voilà. Oui, nous verrons bien, nous verrons bien. Dans tous les cas, il y a déjà des tensions. Oui. Emmanuel Macron a nommé lundi matin son fidèle Stéphane Séjourné à la Commission européenne en lieu et place de Thierry Breton, démissionnaire, sans y associer Michel Barnier. Est-ce encore un signe de tension? Alors, souvenez-vous l'épisode, hein. Thierry Breton, au petit matin, c'était lundi, claque la porte, il envoie une sorte sur Twitter de message symbolique, un cadre blanc, je disparais, je m'en vais. Il se disputait en permanence avec Ursula von der Leyen, il n'était pas très soutenu, même si Emmanuel Macron l'a couvert de louanges, il y avait une forme de flottement. Et la France, vous savez, elle veut peser la Commission, elle a la possibilité de nommer un super commissaire, donc un vice-président de la Commission européenne. Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Il nomme un fidèle, un homme lige, hein, certains ont dit, c'est Stéphane Séjourné, plus proche des plus proches du président de la République. C'est une décision qui a été annoncée par un simple communiqué dans la matinée de l'Élysée qui ne cite pas Matignon. Oui, cela dit, Jacques Chirac avait nommé Michel Barnier sans en référer à Jospin à l'époque. C'était la cohabitation. Oui. Michel Barnier, commissaire. Bon, est-ce qu'il a décidé? Est-ce qu'Emmanuel Macron a décidé seul? Alors, de ce que j'en sais, le président et le Premier ministre, ils ont échangé. Hein. Ils ont quand même échangé. Ils ont échangé. Ils ont échangé. Au sujet de Stéphane Séjourné. Mais ce que précise l'entourage présidentiel, c'est on dit toujours l'entourage, les proches, etc., mais c'est réel. Hein. Oui. C'est une prérogative du président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un message clair. L'Europe, les affaires étrangères, ne seront pas un domaine partagé, comme l'a dit Michel Barnier, comme il le souhaiterait, mais un domaine préservé du président de la République. Attention, c'est lui, c'est lui, moi, c'est moi. Hein. Oui, mais la Constitution donne raison à Emmanuel Macron, non? Oui, elle donne raison, mais à un moment donné, vous regardez le profil de Michel Barnier, ça a été dit, c'est Super Europe, hein, c'est Monsieur Super Europe, vu le cumul de ce qu'il a fait par le passé, c'est Monsieur Brexit. C'est lui qui va devoir aller négocier à Bruxelles les reports d'entrée de la France dans les clous. C'est lui qui va faire face à des défis importants. C'est personne d'autre, c'est pas Stéphane Séjourné, c'est Michel Barnier. Oui. Avec Stéphane Séjourné, on peut dire que l'Élysée garde quand même la main sur les affaires européennes. Vous savez, Stéphane Séjourné, on a dit que c'était le membre du premier cercle. Avec ce à quoi nous assistons, on se demande s'il ne sera pas bientôt question du dernier cercle autour d'Emmanuel Macron. Oui, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est enfermé dans son bureau, je prenais l'image hier, enfermé dans son bureau avec des portes fermées tout autour. J'imagine un bureau rond, c'est pas le cas, mais j'imagine un bureau rond avec plusieurs portes, il ne sait plus quelle porte ouvrir. Ouais. À chaque fois qu'il ouvre une porte, ça va pas. Ça a été dit à la fin du règne de Valéry Giscard d'Estaing, souvenez-vous. Oui, c'était la fin du quinquennat de Valéry Giscard d'Estaing. Ça vous fait réagir. Carole Delga sera mon invitée tout à l'heure, 8h30, 9h, parce qu'à gauche, c'est pas terrible non plus. La vie politique française, franchement, en ce moment, ne nous donne pas beaucoup d'envie. Mais on parlera avec Carole Delga de cette question d'impôt, on parlera du gouvernement, on parlera de la gauche, de la situation de la gauche. Il est 7h51, merci Jean-François, on vous retrouve tout à l'heure avec Maxime Liédo. Il est 7h51, nos auditeurs. Tout de suite.